Fait que là, comme on dit dans le jargon du métier, je chie des briques. Je savais que je m'en allais faire une livraison dans la région de New York. J'avais juste pas réalisé que je m'en allais faire une livraison dans New York, dans le Queens, juste en face de Manhattan, et qu'il faut que je traverse l'île de Manhattan. Et après ça, il faut que j'aille me reculer dans une petite cour. Je vais être obligé de couper la circulation pour essayer de me reculer rapidement. Mais comme on a souvent trop dit pendant la COVID, ça va bien aller. Mais là, pas le choix parce que si ça va pas bien, ça ira pas nulle part. Hey, ça, c'est intelligent comme réflexion. Je suis pas mal downtown. Tabarnak! Je pense que j'étais en état de choc. C'est comme dans les séries télé, mais beaucoup plus serré. Puis le problème, c'est qu'il n'y a pas de stationnement. Fait que là, les gens dépassent juste un petit peu leur ligne. Ben, faut qu'on ferme la rue. Ça fait deux rues qui sont obligées d'arrêter tout le monde. Je passe pas. Là, la voie rapide pour sortir de New York est fermée. Fait que ils nous font passer dans des quartiers résidentiels. J'adore ça. J'adore ça. Que de plaisir! Je pensais pas que c'était possible. Mon prof au CFTA nous a appris que pour tourner, il faut évaluer tant de distance. Là, ça respecte la règle comme... Tu sais, j'ai des jeux de 5 cm. Où c'est que tu veux que j'y aille? Je mesure la longueur d'un bungalow, puis j'ai pas encore réussi à apprendre à disparaître. Je pense que c'est comme de la thérapie de klaxonner, ça leur fait du bien. Beau New York. Ça fait 2 heures que j'essaie de sortir. C'est beau, c'est vraiment beau. J'adore ça. Je pense que tu peux pas être heureux dans la vie ou réussir ta vie si ta job, c'est de conduire à New York. Et la bonne nouvelle, c'est que je vois l'autoroute à 3 coins de rue en avant de moi. Encore faut-il s'y rendre, mais il y a de l'espoir. Ouais.